Salut tout le monde, c'est J-Style. Alors il est... On va se le faire vraiment en live parce que je sais pas du tout l'heure qu'il est. Il est 4h41. J'ai fait 2h15, 2h30 de set ici au loft. Et comment vous dire, je suis juste très impatient de vite rentrer à l'hôtel et regarder les rushs de la soirée puisque ça a été filmé évidemment. Et l'épisode s'est super bien passé, tout s'est passé à la perfection. Donc ma première action à un show, au-delà du fait que j'ai passé une bonne soirée, que c'était juste énorme et que je remercie vraiment sincèrement tous les gens qui sont venus ce soir, je tiens à remercier tous mes potes, tous mes collaborateurs, Jérôme, Stéphane, tous ces fous qui ont eu l'idée absolument incroyable de dire on va faire un épisode en semi-live. C'est-à-dire qu'on a commencé à tourner l'après-midi pendant la Technoparade, ils ont monté entre 17h et 19h. Après on a fini de tourner le soir ici dans les loges, ils ont monté entre 22h et 1h du matin. À 1h ils sont arrivés, ils ont branché, ils ont tout mis en place. On a créé un écran, parce que l'écran n'était pas assez grand ici, on a créé un faux écran. Tout ça fait en 2 jours, c'était mission, on était 5. Je sais pas si vous pouvez l'imaginer, dans une chambre d'hôtel, il y avait 5 Mac, tous les mecs ils bossaient, le son, la vidéo, ils montaient, ils faisaient le dérochage. C'était incroyable, j'ai filmé, j'ai mis des photos, tout ça, ça sera à suivre sur mon Facebook ou sur mon site jstyle.fr. Je vais essayer de vous faire revivre ça de l'intérieur. Donc voilà, merci. Et puis que dire de Thierry et toute son équipe du Loft. La Technoparade, c'était grandiose. La surprise avec Laurent Wolf en plus, un super ami de très longue date, de le voir jouer, ça faisait longtemps en plus que j'avais pas vu. J'ai fait un remix pour lui au dernier Starfloor, cette date de maintenant, ça fait 1 an. Donc de le revoir, ça m'a fait plaisir de voir toute cette équipe également qui ont monté ce char. On était avec eux jusqu'à 3h30, 4h du matin la veille. Donc c'était terrible. Le soir, le blindé, alors que avec la Technoparade, il y avait eu tellement de fatigue accumulée, quand même les gens se sont déplacés. Donc voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre que merci.